Donc en fait, on va maintenant enchaîner et on va terminer par les coccyx à grains positifs. Donc les coccyx à grains positifs, c'est un chapitre un peu long et un peu délicat. Il y a les staphs, il y a les streptocoques, les entérocoques. Donc ce que vous devez comprendre, à mon avis, c'est pourquoi on doit faire une lecture intercutanée d'abord. Donc pourquoi la microbiologie ne doit pas s'arrêter à une lecture brute pour un antibiotique. Donc d'abord, vous savez tous, je suppose qu'une lecture brute, c'est juste, donc c'est mesuré, que ce soit par une technique manuelle ou par, à l'aide d'un automate, donc le diamètre ou en fait la concentration minimale inhibitrice, et mettre la valeur telle qu'elle est. Donc on est obligé là de ne pas rendre le résultat tel qu'il est, et on doit passer obligatoirement par une lecture interprétative. Donc la lecture interprétative, donc en fait, va nous permettre de comparer le phénotype observé au phénotype connu. Il faut avoir une certaine connaissance. Donc on n'est pas là pour vous embêter, et vous devez faire un petit effort parce que ça va vous servir de manière pour toute la vie. Il faut avoir des connaissances concernant tout ce qui est mécanisme de résistance naturelle et les principaux mécanismes de résistance acquis. Et bien sûr, les phénotypes pour pouvoir interpréter. Et bien sûr, en ayant ces connaissances, on peut déduire automatiquement et rapidement les mécanismes de résistance. Donc, comment on va faire cette lecture interprétative? Donc, en fonction du prélèvement, oui, certes, mais surtout, c'était en fait les anciennes recommandations, surtout en fonction du prélèvement, notamment en interprété en fonction, s'il s'agit de méningite ou par exemple pour les diamètres du pneumocoque donc, ou autres sites infectieux, en fonction des synergies et des antagonismes, en fonction d'un test avec un antibiotique marqueur, donnez-moi un exemple. Donc on n'a pas besoin en fait de mettre par exemple tous les disques de bêta-lactamine pour pouvoir interpréter la catégorisation de la souche, d'une souche vis-à-vis des bêta-lactamine. Donnez-moi un exemple, par exemple. La cefoxitine, très bien, pour pouvoir interpréter exactement le profil des staphylocoques vis-à-vis des bêta-lactamine. En fonction des tests supplémentaires aussi, on doit passer par, donc, comme vous avez vu donc, avec mes collègues, on doit faire des tests supplémentaires, donc la CLOXA, les tests phénotypiques pour détection de carbapénémate, pour aussi compléter notre interprétation. Il faut aussi savoir qu'il y a des résistances croisées. Et on peut utiliser uniquement un seul antibiotique pour répondre aux autres. On va les voir, etc. Et surtout, il faut connaître qu'il y a des phénotypes impossibles pour ne pas rendre un résultat qui est donc impossible, en fait. Donc, ce n'est pas suffisant alors de juste mettre la valeur qui est donc le résultat brut d'un antibiogramme. Donc, pour avoir une lecture interprétative, donc le biobiologiste, il faut y avoir certains critiques. Il faut des critères, pardon. Il faut une cohérence entre l'espèce bactérienne, l'antibiogramme par famille d'antibiotiques. Donc, donc, parfois, il faut revoir l'identification. Donc, il faut cette cohérence. Il faut bien sûr détecter les phénotypes impossibles et il faut rechercher les résistances. Il y a des mécanismes de résistance qui sont insuffisamment exprimés avant de rendre le résultat. Donc, moi, j'ai mis des cas cliniques, en fait, des cas cliniques qui sont en fait très faciles. Donc, on va commencer par le premier cas qui concerne un monsieur âgé de 17 ans qui se présente aux urgences pour fièvre avec impotence fonctionnelle du membre inférieur droit, apparu depuis 48 heures. Donc, cliniquement, il est fébrile à 39 degrés. Il n'a pas de signes inflammatoires locaux. Il a une douleur au niveau de la fesse droite. Cette douleur, elle est reproduite aux manœuvres de mobilisation du bassin. Et on a remarqué qu'il présente aussi une folliculite ancienne extensive du dos. Biologiquement, il a une hyperleucocytose à 21 200, à prédominance polynucléaire avec une CRP à 234 et le scanner abdominal a montré une sacroiléite droite. Donc en urgence, des hémocultures ont été effectuées
acheminée rapidement au laboratoire et au bout de quelques heures, le tomate sonne et tous les flacons étaient positifs. L'examen direct a montré des coxy-à-grains positifs en amas. Alors, d'après vous, donc il s'agit très bien des staphylocoques. Est-ce que les staphylocoques sont résistants naturellement à une ou plusieurs de ces molécules? Les aminopénicillines, les quinolones, la fosfomycine, l'astréonat, la colistine. Donc, vous voulez répondre? Donc, le staphylocoque est naturellement résistant à l'astréonam et la colistine. Donc, les staphylocoques sont résistants naturellement à l'astréonam et à la colistine. Et concernant la phospho et les quinolones, est-ce que vous avez une réponse? Je parle ici des staphylocoques d'une manière. Vous voulez répondre? Les staphylocoques sont naturellement résistants aux quinolones de première génération, l'acide nalidixique. Très bien. Pour la phospho, le staph saprophyticus, il est résistant au phospho. Très bien. Donc pour la phospho, c'est uniquement Staph saprophyticus. Et pour les quinolones, ce sont les quinolones de première génération qui sont inefficaces. Donc bien sûr, notre référence, c'est le CAST donc, qui est aligné. Donc c'est le CASFL qui est aligné en fait à le CAST. Et il y a bien sûr le tableau, ce fameux tableau qui résume les résistances naturelles des principales espèces des staphylocoques. Donc vous voyez qu'il y a, pardon, donc, pardon, il y a les résistances naturelles de tous les coxy à gram positifs. Donc vous voyez qu'il y a des antibiotiques qui sont inefficaces pour les coxy à gram positifs, notamment la polymyxine D, qui est la colistine, et malheureusement, je vois que des cliniciens qui sont en train de prescrire encore la colistine pour traiter les infections à gram positif. D'après vous, pourquoi la colistine est inefficace pour traiter les infections à coxy à gram positif? Arrange le micro. Les polymyxines agissent sur l'hypopolysaccharide au niveau de la membrane externe des grammes négatifs et la membrane externe n'existe pas chez les grammes positifs. Très bien. Donc, la colistine va déstabiliser la structure des lipopolysaccharides de la membrane externe et va ainsi augmenter la perméabilité de la membrane externe pour aboutir donc à une bactéricidie rapide. Et ceci, donc ce phénomène ne concerne que les bacilles à gram négatifs. Et c'est pour cela que les coxy à gram positifs ne peuvent pas être affectés par la colistine. Donc vous voyez aussi que les coxy à gram positifs sont résistants, donc concernant les bêta-lactamines, à l'astréonam, comme vous avez dit, à la ceftazidine et au mycélium. D'accord? Maintenant, au sein des espèces de staphylocoques. Donc, vous avez le Staph saprophyticus. Est-ce que c'est important de connaître que Staph saprophyticus est résistant à la phosphomycine? Donc, il est responsable de quel type d'infection essentiellement? Donc, les cystites, surtout des femmes jeunes. Et on sait très bien, est-ce qu'on peut traiter les cystites par la phosphomycine? Oui, automatiquement. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce fameux, donc on tient compte souvent des entérobactéries et on prescrit donc la phospho. Mais là, donc il y a aussi Staph saprophyticus qui est résistant naturellement. Et on peut avoir donc un échec thérapeutique tout simplement parce que donc on n'a même pas pensé à Staph saprophyticus qui peut être une cause qui est non négligeable des cystites. Donc, après 48 heures, le laboratoire vous rend l'antibiogramme de Staph aureus qui a été isolé au niveau des hémocultures. Donc, vous voyez que le résultat brut de la sensibilité concernant la pénicilline vous montre que c'est une souche qui est sensible à la pénicilline, que c'est une souche sensible à la céphoxytine
Et comment vous interprétez? Est-ce que vous gardez la sensible? Est-ce que vous vérifiez un truc? Est-ce que vous n'avez pas de réponse? Donc vous avez une réponse. Et le match est clair, mais ça. Donc le micro, Andika. On doit vérifier le diamètre autour de la pénigée. Très bien. Il faut voir la bordure autour du disque de la pénigée. Donc, il faut voir l'aspect de la bordure. Comment alors vous allez interpréter? Si la bordure est floue, donc si vous avez un diamètre qui vous montre une sensibilité et vous avez une bordure qui est floue, donc vous gardez donc la même interprétation, c'est sensible. Si vous avez au contraire donc une bordure qui est nette, là vous devez modifier en résistant. Donc j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez utiliser le test chromogénique? Allez, je n'en prends pas tout ça, tu me choisis. Est-ce que vous pouvez utiliser le test chromogénique pour trancher? Est-ce que vous êtes en train de l'utiliser, ça? Les. On l'utilise. On trouve parfois la pie, il y a la cupule de pénis, et on cherchait s'il y a donc une production de pénicillinase. En fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la production de pénicillinase. Donc, le test chromogénique n'est plus recommandé, il n'a pas une forte sensibilité, donc on peut passer à côté d'une production de pénicillinase, sachant que plus que 90% des souches de Staph aureus sont productrices de pénicillinase. Donc, c'est l'aspect de la bordure qui va vous aider à trancher. Pour les Staph à coagulase négatif, donc actuellement, il n'existe pas de méthode fiable de détection de production de pénicillinase. Par contre, pour Staph saprophyticus, on peut utiliser un disque pour le dépistage, c'est le disque d'ampicilline. Et si on a un diamètre qui est supérieur ou égal à 18 mm, la souche et la souche EMEC A, on peut donc interpréter en fait amoxicilline et Pipera S. Alors que si le diamètre est inférieur à 18, on va interpréter comme R. Et pour les autres bêta-lactamines, si vous n'avez pas 7 antibiogrammes concernant les bêta-lactamines, donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez bon. Alors vous avez une souche qui est résistante à la céphoxytine, bien entendu elle est résistante à la pénicilline G. Voilà. Donc par sur lecture brute, alors comment vous interprétez? Et pour l'oxacilline, R. Pour les autres bêta-lactamines, donc pour la pénicilline G, c'est R. Pour l'oxacilline, c'est R. Donc c'est une souche qui est catégorisée comme un Staph aureus, en fait Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, c'est un SAR. Pour les autres bêta-lactamies, sauf
Donc voilà, donc les céphalosporines sont-elles actives? Non, donc pour les céphalosporines de cinquième génération, pour ceftaroline et ceftobiprole, il faut les tester séparément. Pour le fluoroquinolone maintenant, donc vous êtes devant une souche qui est sensible à l'anoflu et de sensibilité intermédiaire à l'acide pro. Donc sensibilité intermédiaire là, est-ce qu'on peut utiliser l'acide pro? Pour les cliniciens, là, je pose la question. Allô? Si vous avez une réponse sur antibiogramme, étude antibiogramme SAP Aureus avec donc Norflo S-Cipro-I. Est-ce que vous pouvez utiliser l'acipro? S'il y a une indication, si le malade a une allergie, mais aussi la condition, il faut l'utiliser à forte posologie. Oui. Donc, par contre, pour la Sinorflo S, on peut répandre automatiquement moxifloxacine S. La Cipro. Donc, on ne change pas la catégorisation concernant la Cipro, mais pour la Moxi, donc elle suit la Norflo. Maintenant, si vous avez une souche qui est résistante à la Norflo, comment vous interprétez la Cipro et la Levo? Norflo R. Les microbiologistes. Donc si le laboratoire vous répond que cette souche-là est résistante à la Norflo et elle est résistante à la Levo et de sensibilité intermédiaire à la Cipro. Et comment vous interprétez? Donc on doit tester séparément les autres fluoroquinolones. Et s'il a les vos R? Sinorflo R, on doit utiliser, on doit en fait tester chaque molécule à part. Mais allez, je mets la Cipro qui est intermédiaire, on l'a rendue résistante. Parce que vous avez la Levo qui est R. Donc vous devez avoir aussi bien l'interprétation concernant la Norflo et la Levo. Femme Tony. Donc, si vous avez Norflo R, Levo S, vous gardez la Cipro comme souche de sensibilité intermédiaire et vous pouvez l'utiliser à forte posologie. Si vous avez Norflo R et Levo R, là, vous n'avez pas le droit d'utiliser la Cipro. Ni la Cipro, donc, ni en fait, c'est résistant à toutes les autres fluoroquinolones. Ni autres fluoroquinolones. C'est bon, la Naudel. C'est bon. On passe aux aminosides maintenant. Donc, vous avez cette souche qui est résistante à la canamycine par lecture brute, mais qui est sensible à Tobra et à la Junta. Donc, comment vous allez interpréter donc, le profil de cette souche vis-à-vis de ces aminosides et vis-à-vis de l'amikacine. Donc c'est une souche qui reste résistante à la cana, reste sensible à la tobra et à la junta, et qui est résistante à l'amikacine, parce que l'amikacine, donc en fait c'est la cana qui répond à l'amikacine, on n'a pas besoin de tester l'amikacine à part. Et si on a
Une souche qui est de Staph aureus qui est résistante à la tobra uniquement. Une souche qui est résistante à la tobramycine, elle serait résistante à la kanamycine, amikacine, et on garde la sensible pour la gentamicine. Très bien, parce que la tobra répond à la cana et à la mycacine. Donc vous avez la cana qui répond à la mycacine et la tobra qui répond à la kanamycine et à la mycacine. Donc si vous avez ces souches-là maintenant, par l'équilibre qui est résistant à tous les aminosides, pour la nitinicine, donc vous avez en garde donc les résistances, donc il n'y a pas donc en fait on va garder bien sûr le résultat interprété comme R pour ces aminosides testés, et vous avez une souche qui est de Staph aureus qui est résistante à la genta, donc résistante à tous les aminosides sauf à la streptomycine. Donc on va passer maintenant aux glycopeptides. Donc vous savez qu'il y a donc quatre phénotypes de résistance aux glycopeptides, et ce qui est très important là, c'est que on doit en fait obligatoirement déterminer la CMI par technique de microdilution vis-à-vis des glycopeptides, dans quel cas? Donc, notamment pour les staphs métières, parce que c'est une alternative thérapeutique très utilisée. Alors, vous avez donc une souche qui présente les valeurs de CMI, donc à la Vanco et à la Teco, de 2 mg par litre. Donc pourquoi on a mis qu'il s'agit d'une souche de sensibilité diminuée et pas sensible? Donc c'est indiqué au-dessous là. Donc pour les souches de Staph aureus qui ont une CMI supérieure à 1, on peut, par technique de microdilution en milieu liquide, donc doivent être envoyés normalement dans un centre donc de référence pour vérification de phénotype exact de résistance vis-à-vis des glucopeptides. Et on ne peut pas donc les rendre S automatiquement. Petit R. C'est pas fréquent, mais on les voit, on l'a vu en fait. On a des souches qui sont résistantes à la vanco et qui sont, c'est en fait, vous avez les souches, en fait, VISA, qui sont vanco intermédiaires, à Staph aureus. Vous avez les souches GISA, qui sont glycopeptides intermédiaires. Vous avez les hétérovisa. En fait, il y a une petite fraction qui est de sensibilité diminuée. Et vous avez les VRSA, qui sont des vanco-R, donc des souches Staph aureus vanco-R. Et il y a là un haut niveau de résistance. Et c'est un mécanisme qui est en fait différent des autres, mais ça existe. Pour les MLS maintenant, donc vous avez une souche qui est sensible à l'érythro, à la clinda et à la quinupristine d'alfopristine. Donc pour les autres, est-ce que vous pouvez interpréter donc la sensibilité de cette souche vis-à-vis de l'azithro, de la clarithro et à la oxy? Comment vous pouvez catégoriser cette souche?
Très bien. Donc, c'est sensible parce que l'érythro répond pour ces molécules. Et pour l'aspira, donc si vous avez une souche qui est résistante à l'érythro, sensible à la clinta et à la cnupristine d'alfopristine, est-ce que vous pouvez répondre à l'aspira? Est-ce que vous devez voir un autre mécanisme ou un autre phénotype sur antibiogramme? Donc, vous avez une souche de Staph aureus dont le diamètre est très réduit autour de l'érythro. Comment vous pouvez donc catégoriser le mécanisme de résistance? Donc, vous allez chercher quoi exactement? Très bien, une image d'induction. Il s'appelle aussi image antagonisme. Entre quoi et quoi? Entre l'érythro et la clinda. Donc, si cette image, s'il y a cette image, le phénotype de résistance est. C'est une MLSB, donc MLSB inductible. Et comment vous allez répandre? Donc bien sûr, vous allez garder érythro, R. Et pour la clinda? Pour la clinda, donc si vous avez cette image, vous allez répandre avec un message. Très bien. Si vous n'avez pas cette image, c'est sensible. Et pour l'association donc cnupristine d'alfopristine, c'est sensible. Donc le message c'est quoi, si vous avez cette image d'antagonisme, c'est qu'il y a des rares échecs cliniques, mais ça peut exister, vous pouvez aller vers l'échec clinique si vous allez utiliser la clinda. Mais la question là, je la pose la mirage du QICF, est-ce qu'on peut utiliser, si jamais ils ont reçu... Ce type d'antibiogramme, est-ce qu'ils ont utilisé la clinda? Je ne sais pas si les résidents peuvent me répondre. Oui. Je connais que l'utilisation de la clinda en clinique très très limitée en clinique. Vraiment, dans des hôpitaux, ce n'est pas un antibiotique de première intention, il n'est pas toujours là. Donc en fait, Étienne en considération ce qu'on est en train d'écrire, mais puisqu'il y a l'indisponibilité de la molécule, déjà elle n'est pas utilisée. Voilà. Et même de consultation, je suppose, ils peuvent l'utiliser en consultation. Mais vous allez éviter, je suppose, parce que vous recevez ce message. Alors, maintenant, si vous avez une souche de Staph aureus qui est résistante à l'érythro, résistante à la clinda d'emblée, donc avec un diamètre de 6, et vous avez donc une lecture de sensible avec un diamètre de 22 autour de la cnupristine d'alfopristine. Est-ce que vous allez changer l'interprétation et comment? Non, vous n'allez pas changer, mais c'est un message aussi peut-être à écrire ou à transmettre, c'est quoi? Parce que, quel est le mécanisme de résistance? C'est une MLSB constitutif, et l'MLSB constitutif touche la streptogramine A, sachant que l'association cnupristine d'alfopristine donc contient la streptogramine A, c'est une streptogramine A, donc cette association n'est plus bactéricide, il faut faire attention, donc si on a besoin d'une antibiothérapie bactéricide, là, ça devient bactériocétique et on évite de l'utiliser. Voilà. Donc est-ce que vous êtes en train d'utiliser le linésolide? Ça. Dans quel cas?
Donc c'est un antibiotique qui appartient à la liste restrictive et bien sûr on essaie de ne pas avoir des résistances vis-à-vis de cet antibiotique parce que donc c'est une molécule qui est très précieuse et on est en fait l'indication, la principale indication c'est les entérocoques résistants aux glycopeptides et les staphs et moins les staphs récents aux glycopeptides parce qu'on voit surtout les entérocoques, notamment Enterococcus faecium qui est résistant aux glycopeptides. C'est la principale indication. Bon, je suis devant donc, une souche là qui a un diamètre qui répond à un résultat de sensible. Donc, c'est une souche qui est sensible par lecture brute au linésolite. Donc, d'habitude, Khaleo sensible. Mais en fait, selon les nouvelles recommandations, il faut relire après 48 heures et faire attention à l'aspect de la bordure. Donc pour les cyclines maintenant. Donc vous avez une souche qui est résistante à la tétra, sensible à la TG. Donc pour la minocycline. Donc tétra répond à la mino. Donc si c'était si tétra sensible, c'est mino sensible. Et si tétra R, il faut tester. Est-ce qu'on peut tester la mino? Est-ce qu'on peut faire des sémies à la minocycline? Donc on peut faire des sémies à la doxy et on répond à la minocycline. D'accord? Donc pour la TG, donc les diamètres ne sont pas en fait valides pour les SAF aureus sensibles à la méticinine, par exemple, pour les SARM, donc il faut compléter par une sémie à la TG. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire, de terminer les sémies à la TG pour les SAR. Pour les entérobactéries, il faut le faire. Par contre, la question pour les asymptomatiques. Vous êtes bien sûr col comme un trombe, donc l'épidémie qui est en fait hospitalière, qui est nationale à Acinetobacter baumannii, multirésistant, qui est sensible uniquement à la colie. Est-ce que vous êtes en train de déterminer la CMI à la TG, sachant que c'est l'association, par exemple le Pteichernikot, c'est l'association colie-TG qui est l'association la plus fréquemment utilisée pour traiter ce type d'infection. Est-ce que vous êtes en train de déterminer la CMI à la TG pour Acinetobacter baumannii? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Pourquoi on ne détermine pas la CMI à la TG? Parce qu'il n'y a pas des valeurs standards, en fait. Les sociétés savantes n'ont pas mis de valeurs standards. Donc, quand dans les recommandations, il n'y a pas de valeurs standards pour les CMI à la TG. Mais juste, on a remarqué, donc, que pour, à part des essais cliniques, donc, que c'est efficace, c'est une association efficace, mais on n'arrive pas. Les valeurs sont très, très bas. Donc, je crois qu'elle est supérieure à 2, c'est donc 3, entre 3, 4 et 5, c'est... Ils n'ont pas pu limiter l'intervalle de sensibilité concernant la TG. Mais il y a des études qui sont en cours, comme des travaux, comme des thèses, sont en train de déterminer, je me termine des études aussi, donc détermination des CMI à la TG lorsqu'on on utilise l'association TG-COLI pour traiter les infections à Acinetobacter baumannii. Ah, en fait, il y a eu une thèse dans le service de réanimation. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que l'association, juste, donc ils ont évalué l'association en fonction de l'évolution clinique. Ils ont comparé l'association colie-carbapénène, notamment colie-imipénène, et colie-TG. Ils ont trouvé que la colie-TG est beaucoup plus efficace que l'association colie-imipénène, mais on essaie d'avancer encore par détermination des CMI. Notamment la détermination de l'efficacité des associations in vitro.
Pour quelle valeur? La digicycline sensible. Pour Sap Aurelius ou à la pauvre? Non, pour les études, pour ce deux. Pour les études, tu dois déterminer la CNI exacte. Tu ne vas pas, interpréter en fait ces sensibles. Tu n'as pas le droit. Tu peux faire le CNI 50%, 90%, ou tu peux faire donc les CNI sur ta population. Tu vas déterminer des valeurs de CNI et tu vas, tu vas interpréter en fonction de l'évolution de tes patients. On va passer au deuxième cas clinique. Qui concerne un monsieur âgé de 63 ans, qui consulte pour douleur lombaire gauche avec fièvre. À l'examen, ce patient est fébrile à 39,8 et il présente une douleur, une sensibilité de la fosse iliaque gauche avec une douleur à l'ébranlement, mais pas de contact lombaire. Donc, quel est le diagnostic? Donc, c'est une pyélonéphrite aiguë chez un homme. Donc, il a un syndrome inflammatoire biologique et il y a à l'échographie un cortex hyper-échogène avec absence de dilatation. Et au cortex hyper-échogène à gauche avec absence, donc ce n'est pas une PNA obstructive. Donc, je passe. Donc, vous allez, quel type de prélèvement vous allez demander? Donc, le CBU et des hémocultures obligatoirement. Donc, le résultat de le CBU vous répond qu'il s'agit d'une infection urinaire, donc avec une surinterprétation significative, à Enterococcus fecalis. Et voilà l'antibiogramme avec des valeurs dans la colonne de résultats bruts. Donc, vous avez ici, c'est une souche qui est sensible à la majorité des antibiotiques testés. Donc, on va voir que cette souche, lorsque le résultat brut vous met que c'est sensible aux aminosides, comment vous allez interpréter? Sachant que les entérocoques sont résistants naturellement, donc c'est une résistance de bas niveau, aux aminosides, donc vous devez obligatoirement répondre que c'est une souche qui est résistante de bas niveau aux aminosides. Et vous avez une souche qui est résistante à l'érythro. Donc ici, il y a des résistances communes entre toutes les espèces des entérocoques et il y a des résistances qui peuvent différencier les espèces au sein du genre Enterococcus. Notamment, vous avez la résistance à la vonco. Parfois, il y a une misidentification entre Gallinarium et Fecalis. Le fécalis, le produit résistant à la vonco. Mais si, en fait, on fait attention, si on a une bonne identification, c'est un gallinarum. Donc, quelles sont les principales résistances naturelles des entérocoques? Pour les bêta-lactamines, surtout. Donc, si vous avez une PNA à Enterococcus et vous avez commencé par une céphalosporine de troisième génération, c'est le cas le plus souvent en fait. Vous commencez par une céphalosporine de troisième génération et si vous n'avez pas, généralement vous commencez par du claforan et vous, après 48 heures, donc vous avez un résultat qu'il s'agit d'un Enterococcus fecalis. Donc, il faut savoir que ce sont des espèces qui sont résistantes naturellement aux céphalosporines de troisième génération, notamment, donc, et quatrième génération, en fait, toutes les céphalosporines, il faut faire attention. Donc, il faut changer, il faut switcher. Avec quoi il faut switcher? Camille. Donc, si on fait signe sensible, on va voir, on peut même utiliser l'augmentin là. D'accord? Bon, cette souche est résistante à l'ampicilline, c'est un enterococcus faecium, et sensibilité intermédiaire à l'imipenem. Est-ce que vous changez? Oui, parce que l'ampicilline répand pour l'amoxicilline, piperacilline et l'imipenem. Donc si ampi R
l'impenem, donc TSH souche, et impenem R. Donc pour les fluoroquinolones, si vous avez une souche qui est sensible à l'anophlo, alors elle est sensible donc, à la cipro et à la lévo. Mais si elle est résistante à l'anophlo, il faut tester chaque molécule à part. Pour les résistances donc, si c'est de haut niveau à la junta, ça répond en fait aux autres, à tous les aminosides. Donc si vous avez une résistance de haut niveau à la junta, vous devez répondre résistance de haut niveau à tous les aminosides de haut niveau, sauf à la streptomycine. Donc pour les glycopeptides, il faut aussi voir, il ne faut pas se contenter de la lecture brute sensible, il faut vérifier l'aspect de la bordure, mais Huniax staff. Donc si vous avez une bordure qui est d'aspect flou, il faut changer par résistant, donc le phénotype par résistant. Et si vous avez la bordure qui est nette, donc il faut garder sensible. Comme je viens de dire, donc pour gallinarium et Caspide flavus, donc ce sont des résistances naturelles. Donc on va rapidement terminer par un troisième cas clinique qui concerne un monsieur de 36 ans qui consulte aux urgences pour un syndrome infectieux avec altération de l'état de conscience. Le diagnostic de méningite a été évoqué et une ponction lombaire avec des hémocultures ont été effectuées. L'examen de la ponction en fait, a montré un qui trouve bien une hyperprotéinurachie, une hypoglycorachie avec des globules blancs 3500 et prédominance PNL. Et l'examen direct vous a montré des coxy-A-grammes positifs en diplo, donc c'est en faveur d'un pneumocoque. Donc après 48 heures, vous recevez 7 antibiogrammes. Je vous demande, d'abord on va voir les bêta-lactamies, comment vous allez interpréter donc, le profil. Si vous avez donc, un diamètre qui est inférieur au seuil, donc l'oxacilline là c'est le disque marqueur et vous devez répondre aux autres bêta-lactamies. Donc il y a eu un changement en 2021 en fait. Pour le diamètre inférieur à 20, c'est-à-dire donc la souche est résistante à l'oxacilline, vous devez répondre que cette souche est résistante à la pénicilline G, mais pour les autres molécules, c'est pour les autres molécules que vous devez faire les DCI. Pour les fluoroquinolones, il ne faut pas tester la lévo, mais plutôt l'anophlo. Et c'est en fonction du diamètre de l'anophlo que vous allez répondre pour les autres fluoroquinolones. Donc si vous avez une souche qui est sensible à l'anophlo, donc elle est sensible à la moxie, mais vous devez voir si la lévo, la lévo est intermédiaire, il faut la garder intermédiaire. Pour les MLS, donc il faut chercher aussi si est-ce qu'il y a antagonisme ou pas. Donc si il y a antagonisme, il faut changer la clanda en R, obligatoirement, ce n'est pas comme le staff. Et s'il n'y a pas d'antagonisme, bien sûr, il faut garder S. Sachant aussi que ici, l'érythro répond aussi à l'azithro, la clarithro et à la roxy. Voilà, donc enfin, je termine pour vous dire qu'on ne vous embête pas pour donc, vous montrer tous ces antibiogrammes, pour insister sur la lecture interprétative, parce que vraiment, on va vers une impasse thérapeutique et en 2050, peut-être, on trouverait pas des antibiotiques pour traiter si on continue cette mauvaise stratégie de prescription. Donc la solution, c'est mieux utiliser nos antibiotiques, tout simplement. Et donc, il faut travailler sur la prescription. Je vous remercie.